du coup, Louis, je viens d'apprendre qu'il fallait bien du coup ici. Alors, qui est chaud pour savoir le résultat qui va vous représenter pour la Coupe de France de cosplay? Y'a que toi? Y'a pas personne d'autre? Ah. Il est temps de mettre fin au suspense. Mais c'est papa qui va vous donner le résultat. Même si j'ai essayé de tenter de soudoyer les jurys, mais ils n'ont rien voulu me dire. Je vais laisser plutôt la place à deux experts, on va dire, du cosplay. Arkane de Cosplay Go et Fabrice de Japan Impact. Merci à toi, Francis. Et rebonjour la nécro. Il dort. Non, ça va, je suis là. J'ai mis un... Je fais d'accord pour ce Mike's Family. C'est gentil. Est-ce que ça va bien? C'est comme d'hab. Hein. En fait, ça va pas, quoi. Non, mais déjà... Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ouais, maintenant, oui. Parce que dimanche, le fait de convention à cette heure-là, c'est compliqué. Hein. Ah, ça va, il est 15h30, ça va, pas non plus. On a du boulot? On a du boulot. Et non des moindres. Alors, on n'est que 5, 6 actuellement à connaître les résultats. Moi, je sais pas. Les 4 membres du jury. Jérémy, qui représente la CFC. Et moi-même, et qui les ai là. Attends, je vérifie quand même. Oui, je les ai. Donc, parce que moi, je veux savoir. On fait monter les jurys? Tout à fait. On fait monter les responsables, les jurys. Et cette fois-ci, je les laisse monter dans l'ordre qu'ils veulent. Depuis le début du week-end, on les impose. On va les annoncer au fur et à mesure où ils montent. Oui. Mais ils n'ont pas la motivation. Mais s'il faut qu'ils montent, en fait, Minto ne veut pas monter. Minto, notre prochaine représentante à la CFC. Miwoki. Milani. Et Papa Cosplay. Ça fait bizarre tout le week-end. T'as pas vu papa? T'as pas vu papa? Mais oui, maman. On peut s'avancer peut-être un peu, parce que là, vous êtes quand même au fond de la salle. Vous n'êtes pas des mauvais élèves, pourtant. Donc, qui a quoi? Là, je vois des petits sachets avec des trophées déjà dans les mains. Donc, il y a toujours des lots, bien sûr, hein, qui sont offerts. Des trophées de... designé par Alphonsine Design. Exactement. Le trophée qu'on peut retrouver d'ailleurs, Alphonsine, au stand numéro 49 vers l'entrée. N'hésitez pas à aller voir son stand, c'est hallucinant tout ce qu'elle est capable de nous faire avec du bois. Nous avons aussi bah, Cosplay Craft hein, qui offre 150€ à notre lauréat et 100€ à son dauphin. Et partenaire de la CFC, bien sûr, le tissu des Ursules et Abistil qui vont offrir des bons d'achat à nos vainqueurs. Mais quel magnifique bon d'achat. Donc, maintenant qu'on a présenté tout ça, on lance ou pas? Juste, Minto, je t'avais demandé un petit peu, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui attend les prochains mois de la personne qui va remporter ce concours? Eh bien, énormément de travail. Il va y avoir la recherche du projet déjà. Ensuite, il va falloir faire valider le projet, la recherche des matériaux, la conception du costume, la recherche pour faire une prestation qui va plaire au public. Et énormément de travail. Et c'est pour ça que le soutien de toutes les personnes qui nous entourent est vraiment très important dans cette partie-là de la préparation de notre costume et de notre finale. Voilà. Ça sert à rien de fagoter, ils ont déjà voté. Hein. Ça a voté, c'est plié. Hein. Oui, parce que pour, lors de la finale, il faut que tu présentes un nouveau personnage, un que tu n'as jamais fait. Et toi, c'est dans 2 mois, 3 mois. C'est fin juin. Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore une princesse que tu n'as pas faite? Ça ne sera pas du Disney. J'espère que vous aimerez mon projet quand vous le découvrirez. Même moi, elle n'a pas voulu me le dire. Je vais essayer d'avoir l'info. Mais tiens, je te montrerai une photo du tissu. Super. Donc,
Là, on papote, mais on a des gens hyper stressés en coulisses. Ah, mais j'aime bien, on les fait mariner. Ouais. Il est pas très gentil, hein, en fait. Hein. On est en avance, c'est ça. Donc. Allez, on va lancer au moins de fin. On a deux qui papotent entre eux derrière, là. Mais ceux qui annonceront justement le lauréat, donc ils ont le temps encore. Je vais laisser Minto et Miwoki nous annoncer la place de dauphin. Roulement de tambour. On peut les encourager quand même. Oui. Voilà, du bruit. Le dauphin CFC est Ezra Anaki dans son costume de belle. Bravo à toi, Ezra. On l'applaudit encore très, 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 très fort. Merci à toi. Juste quand les candidats sortiront de scène, nous allons les prendre en photo au fond là-bas. N'hésitez pas ensuite à aller les féliciter tranquillement. Mais voilà, elle va être un peu speed en sortie de scène, donc laissez-les passer, s'il vous plaît, qu'on puisse gagner un maximum de temps. T'as vu, j'ai encore meublé, hein. Papa et Minali, c'est vous qui avez annoncé celui ou celle qui représentera la région Bourgogne-Franche-Comté à la saison 6 de la Coupe de France de cosplay. Ok, ça va, là, les grands? Vous êtes prêts à faire un tonnerre d'applaudissements à votre nouveau représentant pour la Coupe de France? Oui. Alors, sans plus attendre, je vais annoncer le ou la représentante pour votre région à la Coupe de France de cosplay. Et il s'agit de Molly Mook Tilif. Interprétée par Copper Spoon. Bravo! Et une pression extraordinaire vient d'atterrir sur des épaules. C'est bon? Ça redescend? C'est un exercice sur lequel elle est très à l'aise en plus. Allez, vas-y, dis-nous, qu'est-ce que tu ressens? Merde? Ouais, dis-moi. Grosse pression, mais vraiment ravie. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup. Félicitations aux deux et félicitations aussi aux huit qui étaient montés sur scène. Ouais. Et se présenter à un concours CFC, c'est pas rien, même une simple sélection régionale, c'est quand même beaucoup de pression, c'est quand même beaucoup de travail, vous n'avez pas démérité. Et je vous inviterai à nous rejoindre. Une dernière fois sur scène, les autres candidats. Pour ceux qui le veulent, venez sur scène avec nous. Vous avez votre place parmi nous. On applaudit très très fort. Applaudissez-les parce qu'ils ont une grande volonté. Ça prend quand même énormément de travail pour eux. Le public, il est là-bas. C'est chaud.
Applaudissez-les encore. Alors s'approche un peu, on se montre. Il y a des milliards de photographes qui sont en face de vous là, donc qui vous mitraillent. Bon, il y a une partie du costume qui ont des fois un peu disparu, mais... c'est même le personnage, mais le dimanche. Tout matin, voilà, c'est bon. C'est ce qu'on appelle un cosplay pyjama. Ça change un peu. Exactement. On les applaudit 8 millions de fois. Je sais qu'on a déjà dit, mais... Je ne sais pas comment faire exprimer autrement le plaisir que vous nous faites avec vos prestations, mis à part en applaudissant, mais voilà. Il y a aussi les séances photos, effectivement, derrière la foule des gens. Et merci mille fois encore pour tout le travail, pour les heures, les mois, les semaines, les années, pour certains, je ne sais pas. Moi, je pourrais, voilà, je pourrais pas. C'est déjà quand on est en bas, c'est incroyable, mais quand on est à côté de vous, c'est encore plus incroyable. C'est de fou. Bravo, merci beaucoup. Encore un grand bravo à vous. Dernière personne que je voudrais vous présenter pour ceux qui n'étaient pas là hier. Mais voilà, Sylphaël qui avait remporté le concours libre hier sur cette même scène. Vous pouvez l'applaudir encore. Alors on veut profiter du dimanche. Et il y a encore plein de cosplayers dans la salle aussi qui sont aussi extraordinaires. N'hésitez pas, ça fait vraiment plaisir. En fait, se faire arrêter dans la convention pour faire prendre des photos, c'est quelque chose qui fait quand même un peu plaisir. Donc n'hésitez pas. Par contre, effectivement, pour les gens qui prennent des photos, demandez quand même aux cosplayers comment ils font, comment ils veulent, s'ils sont d'accord déjà. Parce que c'est important, parce qu'il y a des cosplayers, voilà, on les prend pas en photo en train de manger une pizza, et c'est pas toujours très très cool. Donc n'hésitez pas, et surtout n'oubliez pas de demander avant de prendre des photos, c'est vraiment très important. Merci beaucoup. Vous pouvez ainsi voir le dos du Golden Mac. Il est beau de dos aussi. Qu'est-ce qu'il est beau de dos, c'est incroyable. Notre jury, un dernier petit mot. Oui, si vous voulez venir parler de vos costumes, d'avoir des retours, etc. sur les prestats, enfin, venez, ça sera avec plaisir pour discuter avec vous. Et puis vous savez où nous trouver, hein, c'est pas très compliqué. Juste là-bas. Ouais, stand numéro 31, bah, c'est parfait. Au moins, il y en a une qui est retenue. Voilà. Bah, merci encore à tous, c'était super, du coup, tout ce que vous avez fait. Merci beaucoup. Et un grand merci à la technique qui a géré le son et les lumières pendant les prestations. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la régie, tout le staff de la Nécro. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est beaucoup de merci, mais c'est toujours émotif le dimanche soir. Et on va rendre la scène à Francis. Merci beaucoup pour ton accueil, à toi aussi. Et pour tout le show que tu nous as fait pendant tout le week-end. Mais c'est pas fini pour toi, t'as encore des heures à tenir là. Ne quittez pas la scène, si vous voulez poser des questions à Patch et Julien Châtelet, c'est dans quelques minutes. Et franchement, un vrai plaisir d'être sur scène avec de si beaux cosplays et de si beaux talents. Bravo à vous. Bravo à vous pour cette animation. Bon, ben c'est pas tout ça. Bravo. Ouais, c'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe ?